Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation de barres chocolatées, c'est parti! Hello tout le monde. Bonsoir. Ça faisait longtemps. Quelques semaines. Oui. Hein, oui. Le temps passe vite. Ouais. Oui. Très vite. Trop vite. Donc, on se retrouve pour une petite vidéo plaisir, oui. Surtout pour nous. Et puisque l'on va faire une petite dégustation de barres chocolatées de chez Nyx, marque suédoise. Ouais. Fabriquée par un, je suppose. Ça doit être son nom de famille, sinon son prénom, Nicolas, d'où le nom Nyx. Donc avec la petite S apostrophe en anglais, qui est... Non. Non. L'appartenance. Ah oui, bah donc, oui, en plus je sais. Les bars de Nyx. Oui. De Nyx. De Nyx. Nicolas. De Nyx. Nyx. De Nyx. Donc, oui. C'est une petite boîte. Trop kiki. Petite boîte. Elle est trop belle, elle est rose, pastel et jaune. 12 bars. Alors, on va pas manger les 12 bars. Sinon, à la fin de la vidéo, ça risque de pas être terrible. Mais il va y avoir certains goûts, donc on va les goûter. On va vous dire si c'est bon ou pas. Ouais. Il faut savoir également que c'est une marque qui fait sans sucre ajouté, sans huile de palme. C'est ce que tu viens de dire, oui. C'est ce que je viens de dire. sans gluten, voilà, donc c'est adapté là. Tout bien. Ce n'est pas une collaboration. Non. Non, ce n'est pas une collaboration. Toujours pas. On va bien aimer, hein. Alors, c'est vrai. Tas de barres, mais... Bon. Si vous passez par là, on peut toujours aussi, hein, voilà. Donc c'est voilà, on va discuter, on va déguster. On va faire les deux. On va faire les deux. Et on peut dire ce qu'on en pense avec les petits panneaux que nous avons. Alors avec, c'est ça qu'on aime. Et pas content parce qu'on aime pas. Hein. Je pense qu'a priori, ça donne envie vu les goûts. Mais après la dégustation, ça sera peut-être autre chose. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. On va voir, et donc on va passer à la première dégustation. Let's go. C'est parti. Donc, première dégustation. Ouais. Donc, un petit... Et voilà. C'est trop beau. Voilà, hein, bon. Voilà. C'est une boîte. Hein, oui, mais elle est belle. Voilà. Et donc, à l'intérieur... La nourriture. Il y en a plusieurs. Non, non, il y en a une. C'est une grosse barre au chocolat. Oh, waouh. Avec un ticket d'or. Ça pourrait. Mais non. Mais non. Non. Donc, nous allons prendre la première. Et oui, bah celle qui est là, vu que apparemment tu l'as voulu la sortir. Je décale. Voilà. Elle est violette et rose. Voilà. Donc, c'est... Je n'ai pas vu le goût. Moi non plus. C'est soft toffee. Donc, c'est du caramel doux, à peu près. Caramel mou. Je ne sais pas. Doux. Je ne sais pas. Doux. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Bah, let's go. Hein. Bah, c'est vas-y. Moi qui ouvre. C'est toi qui c'est ouvre. C'est moi qui ouvre. Alors, super, ça va être... Non, ça va. C'est facile à ouvrir, c'est satisfaisant. C'est déjà un bon point, facile à ouvrir. Oui. Vraiment, si moi, si j'arrive pas à le sortir, ça, c'est mon problème. Ah. Oh, c'est trop mimes. Ça fait comme un gros carré de chocolat. Oui. Ah, une tablette de chocolat. Ouais. Waouh, ça y est, ça fait quelques semaines, je ne sais plus montrer. Donc, l'avantage, c'est que ça va être facile à couper, a priori. Waouh. Ça sent le chocolat. Jusque-là, on est bon. T'es émerveillé par le senteur. Par le senteur, ouais, allez. Ouais, se moquer de moi tout à l'heure, mais au final... Hein. Pas français non plus. Oh, waouh, wow, c'était tellement satisfaisant. Donc voilà, donc l'intérieur est... Voilà, donc ça se coupe facilement. Incroyable. Et l'intérieur, voilà. Voir. Oh, là on voit peut-être mieux, je sais pas. Mais là on voit, il y a un... Là on voit ma tête aussi. Mais... Ouais. Donc, première dégustation. Ça sent trop bon. Oh, ça sent le chocolat. Allez. Vous ah, croquez. Alors surprise, c'est que c'est mou. Mmh. Parce que la première idée, je m'attendais à ce que ça soit un peu comme une barre de céréales. Alors peut-être pour les autres,
Mais là, c'est entièrement du chocolat. Voilà, il y a un doute quand même. Non, je mange. Donc on confirme, c'est bien du caramel. Ça ne parle pas à la bouche pleine. Moi non plus. Donc, voilà. Après avoir mâché, parce qu'il faut bien mâcher hein, à un moment ou à un autre, pour celle-ci. La violette et rose. Donc pink caramel. Caramel. Chocolat, caramel. Va falloir voter. Voter. Le Sénat, il vote. Alors, on peut pas voter caché, hein, parce que bah, automatiquement, voilà, il faudrait que j'en efface un. On fasse apparaître l'autre. Hein ? Voilà. Quoi ? Donc ! J'ai pas compris. Ah, je crois que j'ai si compris. Vous avez compris, vous pouvez mettre quelque chose en commentaire. Hein. Je crois que j'ai compris. T'es sûr ? Non. Non. Allez, donc. Je sais plus. Bah quel côté ? Bah, je sais pas lequel côté c'est. Toi, t'es pas content, tu dis ? Moi, je suis pas bon. Non. Donc, attention, roulement de tambour. Waouh, 3. Je suis pas foiré de côté, hein. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. On est content. On est content, c'est ça qu'on aime. Et oui. Oui, très bon, très bon. Il y a un bon mélange entre le chocolat et le caramel. Allez, donne-moi tout les restes là. C'est pas très épais. C'est très mou dessus, en fait, si on... Ouais. Là, c'est la coque. Je m'entendais à plus dur. Ouais. La partie coque en chocolat, là, est très, très molle. Enfin, c'est pas très dur. Et le chocolat en dessous, sur le dessous ici... Bah, même fait, ça se voit que c'est pas très dur quand on a coupé le truc qui s'est coupé. C'est pas très épais, donc le mélange est plutôt pas mal. Oui, c'est bien. Ah. Voilà. Oui. Passer à la suivante. Oui. Comme ça, ça annonce du bon quand même. Oui. Allez, on passe à la suivante. Seconde barre. Let's go, j'ai faim. Allez, ouvre. Donc on passe cette fois-ci à la... Peanuts and fudge. Non, toujours pas, j'ai dit la même chose. Toujours pas. Donc il y a cacahuètes et caramel. Oh. On suppose. Bah tu supposes parce Je suppose. Fudge, enfin c'est un petit mélange chocolat-caramel. D'accord, allez, en espérant ce n'est pas très dur. Comme à mon avis, ça ne va pas être dur. Donc. Je ne sais pas, on verra. Ouvre. C'est toujours. Oh. Et, ah, c'est pas la même c'est forme. C'est pas la même forme. Donc là, on est sous une barre. Voilà. On dirait un Mars. Il y a un gros Twix. Oui, un gros Twix. Enfin, le toucher, on dirait un gros Twix. Genre, ça ressemble à un Twix, mais c'est la forme d'un Mars. Alors, attention. Et à l'intérieur, ça vous rappellera une autre barre. Un Snickers. Que l'on a nommé tout sauf celle-là. Voilà. Donc voilà, donc, pareil, hein, pas très dur. Là, je vais juger fort, hein, les sneakers, miam. Hop. Ça sent le cacahuète. Le cacahuète, allez. C'est super. En espérant que ça n'a pas le goût... La cacahuète, voilà. Oh, purée. Donc voilà, je remonte un petit peu. Hop. Bon, bah, plus qu'un. Hein. Allez. Genre, il me regarde quand je mange, ça me stresse. Alors, on n'est pas sur le goût du Snickers. Hein, non. Clairement. C'est du beurre de cacahuète, on dirait. On dirait un peu le. Ouais. On dirait un peu que ça fait beurre de cacahuète. Mais il y a des morceaux de cacahuète à l'intérieur quand même. Mm. Avec un caramel. Avec un petit caramel, mais tout léger. Mm. Mais bon. Pas dire tout de suite. Ok, pas bon alors, comme ça j'ai dit les deux. Et bah c'était la fin de la vidéo, merci bien. Alors, mon cher Jamy, qu'en as-tu vous pensé? Ouais, qu'en as-tu vous pensé? Qu'as-tu vous pensé? Ça devient n'importe quoi cette vidéo, ça va finir je ne sais pas comment. Il n'y a pas d'alcool dans les bars, on n'est pas bourré, tout va bien. Alors, dans l'ensemble, c'était pas mal. Oui, je sais pas pourquoi je rigole.
Alors, pour expliquer, c'est-à-dire que, bon, on coupe un petit peu pour que ça ne soit pas trop long non plus. Alors, c'est pas mauvais. Mais c'est toi, là, tu... C'est toi tout seul, moi, j'ai rien fait, hein. Par contre, si vous le gardez en bouche ou mâchez plus longtemps, il y a un petit mélange qui se fait où la cacahuète a tendance un peu à se coller aux dents. Mais il y a que toi, il y a que toi, moi, ça m'a rien fait, hein. Donc, j'ai pris un peu plus de temps à le manger, hein. J'ai pas d'appareil dentaire, hein, j'ai rien, tout va bien. 10 minutes. Je rigole. C'est une boutade. Effectivement, si vous le gardez un petit peu trop longtemps, vous pouvez le mâcher plus longtemps. Regarde. Voilà. Donc, on va y aller. Oui. Hein. Quoi, on va quoi, voter. Ouais. Tu... Alors. Quel côté ? Ça mérite un ralenti. Pardon. 1, 2, 3. Ah, j'allais dire! Elle a eu peur. Oui, je l'ai vu, elle était comme ça. Eh oui. Bon, j'hésitais un petit peu, mais dans l'ensemble. Mais c'est toi qui n'es pas doué avec des barres de chocolat, c'est pas les barres qui ont un problème. Voilà. Donc, il nous en reste quand même encore 3. Ça va aller vite, hein. En fait, il y en a 12 dans la boîte, mais vous en avez 5 de différentes gammes. Voilà, de goût. À savoir qu'on en a un qui est tout seul. Qui était la première qu'on a goûté. En 3 exemplaires, mais celui-là, il est tout seul. Donc, voilà. Parce que c'est peut-être aléatoire, non? Peut-être. Allez, donc, on passe à la troisième. C'est parti. Alors là, on arrive sur quelque chose d'extraordinaire. Là, ça va être... Alors, il faut pas trop se mettre que ça va être super... Alors, hein. On va éviter. On va éviter parce que si on prend, on va être trop déçu. Voilà. Nous avons une couleur qui vous rappelle quelque chose et oui, un bounty. Alors, ça peut faire débat. Hein. Il y en a qui aiment la noix de coco, il y en a qui n'aiment pas. Nous, voilà, on adore, hein, clairement. Oui. Miam. Donc voilà, donc on va goûter, on va voir si c'est une autre forme ou pas. Oui, on va voir si c'est proche du bounty ou pas. On verra. C'est la même forme. Donc on est encore sur les mêmes formes que les autres. Ah, que l'autre. Bon, alors là pour le coup, ça sent pas mal le bounty quand même. Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de croquer dedans. Bah, tu vas couper parce que je suis pas douée. Alors. Peut-être que ça va fondre un petit peu. Aucunement. C'est pas blanc. C'est pas comme dans Bounty. Par contre, ça ressemble aux rochers. Vous savez, les petits rochers à la noix de coco que ça peut, qui peut exister. Ah oui. Qu'on peut trouver. Donc, bah, plus qu'un. Hein. Oui. Pardon. Un kombu. Bah c'est ça, hein. C'est comme le rocher, là, que t'as dit. Donc mais... C'était pas mal. Ah oui. C'était pas mal. J'ai tout mangé. C'était pas mal, donc effectivement ça ressemble beaucoup aux petits rochers de noix de coco qu'on peut trouver dans les magasins. Trop bon ça. Boulangerie. Miam. Pas mal de choses. Le chocolat est très fin. Ouais. C'est très... Chocolat. C'est pas du tout. Tout léger. Ça croque légèrement, puis on sent bien, on sent bien la noix de coco. Oui. Donc si vous avez mangé déjà des rochers et notre coco, vous savez. Ça ressemble très fortement à ça. Exactement. On va voter. Oui. Je pense que c'est... C'est un peu compliqué à pas voter. Genre je ne sais pas. On y va. Je ne sais pas. 2. Ce serait drôle que j'en fail le genre. Ah non, ouais. Non, je rigole. Alors, on se calme. Bien sûr. Bah oui. Oh, oui genre, ça paraît logique un peu, enfin je sais pas. Ouais, très bien. Pense sincèrement qu'on n'aura jamais ce côté-là. Je ne sais pas. Moi je pense. Moi je dis, je sens qu'on n'aura jamais ce côté-là. On verra. Pas très difficile en général. Mais voilà. Si vraiment c'est pas bon, on le dira. Si tu mets du piment. Ah oui, mais là c'est moi qui aime bien. Voilà, lui il est bien. Moi, ça dépend. Hein. Si c'est Caroline Red Pepper de la vidéo
Lui, vous pouvez l'avoir d'ailleurs encore. À un moment mémorable. Non, peut-être que... Bon, on passe à la... Troisième ? Quatre ? Bah, on va manger. Oui, non, le temps passe vite. Non. Bah ouais, c'est dommage. Après, moi, je vais faire ça toute ma vie. Je vais manger des trucs toute ma vie. C'est le but de la vie. Live, 24 heures de dégustation non-stop. Oh là là. Ou faire comme Sora et Rapid, là, vous en faites goûter tous les bébés de Paris, tous les machins, tous les machins. Waouh. Ça pourrait se faire, mais bon. Mais le but, c'est pas qu'on meure à Paris. Non. Parce qu'en même temps, ils y vivent. Donc voilà. Vous pouvez mourir chez eux, mais nous, on va mourir là-bas. Voilà. Pas terrible. Donc, on passe à la quatrième. Oui, c'est parti. C'est cheaper. Quatrième bar. Let's go. C'est, j'aime sans tout fini. Alors, celle-ci se nomme... Crunchy, caramel. Caramel. Voilà. Caramel, j'arrive pas à parler. Caramel croquant, croustillant. Ou des crunchy. Des trucs crunchy. On va voir ce que ça donne. Alors, celle-ci est un petit peu plus petite que les autres. Petite. Sachant que les autres barres font en moyenne 40 grammes, à peu près. Celle-ci, elle en fait presque la moitié, 28. 10% en moins. Oh, parle pas de, deux, trois. Pas d'atose. Pas de maths. C'est ça pour dire ça. Donc, effectivement. Oh, il est trop kiki. On est sur du fin. Il est trop mims. Voilà. C'est le même. La même chose que les autres barres. Pour l'instant, c'est tout fin. Non, on peut sortir. Sans caramel. Sans caramel. Sans surprise. Ça, par contre, je m'attends à ce que ça croustille un petit peu ou que ça craque. Oh waouh! Hey. Donc, voyez. Montre, fais voir. Voilà. Oh waouh, c'est satisfaisant. Donc on peut voir, il y a des petits éclats de caramel en fait dedans, c'est ça. Je sais pas si vous allez le voir. Moi je le vois pas. Attends. Là. Ah bah c'est pour ça que j'en ai pas. Je veux pas le voir. Voilà. Là, du chocolat pour la peine. Là. Donc. Waouh. Ah bah si, tiens. Voilà, j'en ai trouvé. Non, c'était le chocolat qui est tombé. Hein, ouais. Dit. Allez. Waouh. Ça croque bien. Hein. Donc. Avec roulement de tambour. Alors, ça croque. Ouais, peut-être voir un peu trop. Pour lui. C'est personnel, mais un peu trop. Pour lui. Donc on va voter. On vous expliquera tout après. C'est déjà stoppé tout seul. J'ai fait ça. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais? Ah ouais. Ah, donc en fait tu fais, j'en suis sûr, comme j'ai dit, ouais j'en suis sûr, il y aurait tout le temps ça, il le fait exprès. C'est ça, c'est exprès de contradiction. Ah, c'est ça. Alors. Vas-y, explique-toi. C'est pas mauvais. La courte écoute. C'est pas mauvais. Ça, sur le goût, on est d'accord. Par contre, alors peut-être pas toi, mais sur le milieu, il y a énormément de caramel. Et comme c'est très fin, on a presque l'impression de manger que du caramel, mais des éclats de caramel qui sont très durs. Donc, ce n'est pas mauvais, mais ça aurait mérité que la barre soit un petit peu plus épaisse au niveau du chocolat. J'ai un expert qui parle. Oh, j'ai mangé toute ma vie. Hein. J'ai mangé toute ma vie, c'est mieux. Hein, c'est mieux. J'ai une certaine expérience en nourriture. Bah, comme tout le monde, j'imagine. Voilà. Mais c'est pas mauvais, mais elle aurait mérité à être un petit peu plus épaisse. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, ils ont chargé en caramel, parce que c'est pour ça qu'elle ne fait que 28 grammes. Mais ils auraient peut-être dû réduire un peu trop le caramel, réduire le caramel, et de mettre un peu plus de chocolat. Ça aurait été peut-être un peu plus meilleur. Pas très français, mais on est entre nous. Voilà. Un peu plus mieux. Allez, on parle de la France. Voilà, c'est plus mieux, hein, comme on dirait pendant un temps. Donc voilà. Donc il nous en reste plus qu'une. Eh oui. C'est pas... Non. Je suis pas d'accord.
Et donc, bah, on va y aller. Hein. Bah oui, mais bon, il n'en reste qu'une, quoi. Voilà. C'est triste. Pourquoi, à chaque fois, les dégustations, ça se finit aussi vite? Big box de dégustation. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Ouais. Ah, ça me va, ouais. À voir. De tous les pays différents du monde. Donc, on va y aller. 12 kilos. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, ça, je... On y va? Oui. Ah bah, c'est parti. Donc nous voici. The first. The last pour toi. The last. Pour la dernière barre. Je voulais dire the last, tu dis the first. Qui est... Vas-y. Gaufrette au chocolat. Voilà. Chocolate waffle. Voilà, saut bilingue ici. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc un petit peu plus large. Oh wow, ah, bah, regardez. Oh. Magnifique. Magnifique. Donc elle est plus large. Oui. On voit bien que c'est chocolat d'un côté et gaufrette de l'autre. Tada, c'est du télé-shopping. Tout à fait, Maryse. Allez, c'est pour le reste. Donc. Wow. Ça, ça pourrait être pas mal, ça, je le sens. Tu coupes. Bah, je vais couper, là. Pour être pas mal. Là, on n'a pas de chin-chin. Tiens, pas de chin. Oh bon. Alors. Miam. Voilà. Ouais, ça va. Un petit goût de vanille. Ouais, un petit goût de vanille, un petit goût de salé aussi. Salé. Ouais, un peu comme du. Du sable. Je sais pas. Du sable à l'intérieur. Alors là, c'est bon le sable. Un peu comme du caramel c'est... beurre salé, mais il n'y a pas de. Enfin, c'est. Il y a un petit. Mais oui, il y a un truc, un mais je sais goût. Pas quoi. Alors, quoi. On sait pas. Regardez ça dans les ingrédients, on n'a rien vu de particulier, mais il y a un petit goût de ketchup. Mais ça me dit un truc, mais je sais pas quoi. Genre, ça me dit un truc qu'on a déjà mangé, mais je sais plus. Je sais plus. Donc, nous allons voter. Ouais. Est-ce que je vais faire le pas content encore? On verra ça dans le prochain épisode. Au revoir! On y va? Oui. C'est parti. On ne monte pas beau. Allez, hésite. Non. Donc voilà, bah oui, bon, bah, c'est une surprise. Hein. Voilà. J'avais dit quoi? Moi, j'aime tout. Très bien, pas c'est lui, très là. Fin, c'est léger, c'est bien. C'est juste c'est... bien. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est parfait. Moi, j'instaure une règle. Ah, pas de règle, en fait, mais c'est... On doit choisir notre préféré. J'allais le faire, dis donc. Alors, ton préféré? Je sais pas. Donc, nous avons... Il sait plus. Je ne sais plus, j'ai pris au hasard. Le cacahuète caramel. Oui. Nous avons... Vas-y, casse tout. Le crunchy caramel. Bon, ça sera pas le sien, hein, on a bien compris. Nous avons donc la gaufrette. Ouais. Le noix de coco. Ouais. Et celui qu'on a eu en un seul exemplaire et qui se balade... Quelque part, ici, j'ai oublié son goût. Qui est caramel mou. Oui. Voilà. Je ne sais point, très cher. Je ne sais pas. Parce que je peux pas rester sur celui qui me reste dans la bouche, parce que alors ça serait d'affiche. Alors moi, j'irai quand même. Tous sont plus ou moins bons, mais je me mettrai plus sur celui à la noix de coco. Ah, mais c'est de la triche, parce que c'est la noix de coco. Et du coup, quand c'est de la noix de coco, ça te passe tout de suite VIP, quoi. Enfin, c'est de la triche. Mais non, j'aime bien. Non, c'est de la triche. En vrai, de vrai, je sais pas. C'est moi qui a dit qu'on devait choisir son préféré, mais je sais pas. Voilà, ma préférée, c'est tout ça. Non, c'est trop simple. J'ai choisi. Non, normalement, j'ai choisi la bête, mais bon, je me trompe. Teddy. Teddy, ouais, bah oui. Tada, mais ça a dit Teddy. Donc, le cacahuète caramel. Oui, j'ai encore un doute sur le... Oui. Sur l'étiquette. Because beurre de cacahuète, en fait. J'avais pensé au beurre de cacahuète. Beurre de cacahuète. Ouais, mais sinon tout, hein, en vrai. Hein. Parce qu'on m'a demandé de choisir, hein, sinon j'aurais pris d'autres.
Ouais. Toutes, bien. Donc, voilà pour la petite dégustation de ces bars Nyx. Oui. Si vous êtes intéressé, on vous mettra le lien en dessous. On a eu ça sur Amazon. Hein, voilà. Donc, ouais. Si vous êtes intéressé, on vous mettra le petit lien qui va bien. C'est très bon. Et puis, voilà. Je te laisse terminer. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à tous les réseaux qui sont quelque part. Parfait. À activer la petite cloche parce que c'est bien. Et nous, on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos et aventures parce que on se sait. Voilà. Bisous.